Moi, je dis toujours aux gens qui me disent, mais tu es prophète, où sont les miracles? Vous êtes les miracles, vous n'aurez jamais de miracles. Amen. Vous pensez que je suis quelqu'un qui va faire que quand j'ai pris pour les malades, je vais filmer pour vous plaire. Bande d'hommes de chair dont la foi est battue sur les parvis. Je ne vais jamais satisfaire vos désirs. Mais ceux qui viennent ici savent que j'ai pris pour les malades. Mais nous n'allons jamais poster des vidéos pour vous plaire. Bande de fils du diable. Amen. Amen. Je vous ai toujours donné un exemple propre et clair. Jésus arrive à la piscine de Siloé. Il y a beaucoup de malades. Il ne guérit qu'un malade. Vous croyez que d'autres malades n'ont pas critiqué? La Bible ne dit pas tout, hein? Laissez-moi ces hommes de chair dont la Bible a mangé la tête là. La Bible les a limités comme des libellules dans un bol. Mais les gens sont seulement murmurés comme les gens murmurent aujourd'hui avec du masque. Mais il dit qu'il est grand prophète. Il a seulement guéri une seule personne. Mais nous, est-ce qu'on est guéri? Pourquoi ne nous guérit pas? Il n'a guéri qu'un seul malade. Un seul. Où était sa puissance? Pourquoi il n'a pas dit que je suis Dieu incarné dans la chair humaine? Vous tous là, allez, prenez vos lits et marchez. Mais que tu dis que je n'ai guéri qu'un seul malade de 38 ans. Où était sa puissance? C'est pour dire quoi? Dieu ne fonctionne pas selon vous. Vous pouvez être malade dans l'assemblée, être là, si tu es malade. Ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu n'est pas manifeste. Mais c'est votre épreuve.